Nous sommes en compagnie de Sylvain Boulouk. Bonjour, vous êtes enseignant-chercheur Sylvain Boulouk, spécialiste de l'anarchisme, du syndicalisme et du communisme. Et on va tenter en votre compagnie de comprendre qui sont ces Black Blocs, quel est éventuellement aussi leur lien avec l'extrême gauche et qu'est-ce qu'ils racontent finalement sur l'utilisation de la violence aujourd'hui. Est-on capable de savoir qui sont ces jeunes gens? Alors, c'est une mouvance. Donc, à partir du moment où c'est une mouvance, c'est quelque chose de difficilement définissable de manière stricte. On a plusieurs générations qui ont coagulé. C'est-à-dire que le phénomène Black Bloc est apparu en fait à Berlin dans les années 80, de jeunes gens plutôt issus de l'extrême-gauche qui s'affrontaient déjà avec les forces de l'ordre. Mmh. Et avec des phases de haute et de basse intensité, et on a retrouvé le phénomène Black Bloc aux États-Unis, à Seattle, dans les années 90, enfin à la fin des années 90, puis à Gênes en 2001. Donc avec un phénomène de contestation et de recherche d'affrontement global avec les forces de l'ordre. Ça a commencé réellement en France, le phénomène Black Bloc, à Strasbourg en 2007 ou 2009, lors d'un sommet du G20, du G7, je me souviens plus. Et ça a réellement pris forme de manière constante avec la loi travail en 2000, il y a deux ans. Mais alors, quelle distinction faites-vous entre ces Black Blocs et l'extrême gauche traditionnelle, par exemple les autonomes l'on voyait dans les cortèges traditionnellement, casser des vitrines? En fait, c'est une reprise du courant autonome qui existait dans les années 70, sauf que entre les années 70 et les années 90, il y a une nouvelle génération qui est apparue, qui n'ont plus exactement les mêmes références politiques. Donc il y a eu une transformation des cultures politiques et les nouveaux militants sont influencés idéologiquement par leurs ancêtres, mais ne sont plus exactement les mêmes que ceux qui existaient il y a une quarantaine d'années maintenant. Quelle différence justement? Alors, on a bien compris qu'il y avait une différence de génération, mais quand vous parlez de références différentes, de cultures politiques différentes... C'est-à-dire que déjà la référence au marxisme est moins présente, dans la mesure où il y a une ultra-gauche et une extrême-gauche qui se nourrissent de tous les courants de l'idéologie, enfin de la contestation du système politique actuel. Donc on a un mélange en fait de différentes cultures politiques, un bout d'anarchisme, un bout de marxisme, un bout de situationnisme, tout est repris, mélangé, et chacun peut faire entre guillemets son marché idéologique. Quand on regarde par exemple les différents graffitis qu'il y a pu avoir dans la manifestation hier autour des lieux qui ont été cassés, on a aussi bien des graffitis avec des faucilles et des marteaux, que des acerclés symboles de l'anarchisme, que des symboles de l'autonomie, donc des étoiles à cinq branches, que même des animalistes qui auraient cassé le McDonald's. Donc on a toute la mouvance de ce qu'on appelle la gauche radicale, pour faire vite, qui est présente dans ces Black Blocs. Et là, l'important, c'est de voir qu'ils s'agrègent de manière totalement informelle. Donc, il est extrêmement difficile d'identifier exactement qui est qui et qui participe. Alors, on sait pour un certain nombre d'entre eux qui ça peut être, mais... C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a des mouvances qui sont plus... qui participent plus facilement aux actions violentes que d'autres. Donc les anciens autonomes, une frange du mouvement libertaire, mais pas dans son intégralité, une frange d'une gauche marxisante, mais pas dans son intégralité non plus. Donc vous avez plusieurs mouvances avec des militants. Alors là, par contre, les militants ne vont pas revendiquer leurs actions violentes pour des raisons assez évidentes. Y a-t-il des liens organiques entre ces militants violents et l'extrême gauche officielle? Non, alors... c'est toujours la même chose. C'est si l'extrême-gauche officielle ne veut pas retrouver ce qui s'était passé dans les années 70, c'est avoir un certain nombre d'organisations dissoutes, ils ne vont pas afficher des liens officiels. Par contre, il y a des interconnexions, des amitiés qui peuvent exister. La chose, c'est que quelqu'un qui participe à des actions violentes ne va pas le revendiquer, ne va pas en faire état ouvertement, dans la mesure où c'est quand même répréhensible, et donc le revendiquer ouvertement risquerait d'entraîner des condamnations. Donc il n'y a pas... collectivement, ça peut être fait, mais individuellement, certainement pas. Jean-Luc Mélenchon a tweeté hier qu'il s'agissait
sans doute d'éléments d'extrême droite qui auraient donc troublé la manifestation du 1er mai. Qu'en pensez-vous, Sylvain Boulou? Je pense que c'est un vieil argument politique et politicien qui rappelle d'autres arguments qu'on pouvait retrouver dans les années 60 où Jacques Duclos ou Georges Marchais qui expliquaient que tous les manifestants gauchistes étaient finalement aux ordres, à l'ordre de la police, voire de la droite. Alors là, j'allais dire Georges Marchais, non, Jean-Luc Mélenchon, pardon, a dit que c'était l'extrême droite, mais il se peut que marginalement il y ait un ou deux militants d'extrême droite qui aient participé à la chose, mais globalement c'est vraiment pour discréditer cette frange de la gauche qui est en opposition très violente avec la France insoumise. Il y avait eu un meeting de la France insoumise il y a un an où justement il y avait eu une confrontation assez dure entre des Black Blocs et pourquoi sur quel motif pour les Black Blocs la France Insoumise représente d'abominables réformistes et finalement qui appartiennent au système politique et social actuel, et donc ce sont des ennemis de classe entre guillemets. Mais alors il y a quand même une question qu'on se pose, Sylvain Boulouk. On se demande s'il y a un lien du point de vue de la violence entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Souvent on dit que les radicalités se rejoignent. Qu'en pensez-vous, vous qui étudiez justement ces mouvements de manière assez précise? Alors, si on prend la violence en tant que telle, une action violente, elle n'est pas forcément signée, donc il y a des formes de violence qui peuvent être identiques. Après, si on rejoint en fait ce qui représente le concept de totalitarisme pris dans son origine, il y a des éléments qui sont convergents, mais ça ne veut pas dire que les idéologies soient les mêmes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des actions qui peuvent être analogues, mais ça ne veut pas dire que l'idéologie et l'arrière-fond idéologique qui légitime cette violence soient analogues. On a deux types de violences qui, en tant que violences, sont identiques, mais qui, en tant que référents politiques, sont totalement différents. Et puis alors, il y a également, vous allez nous dire s'il s'agit d'une légende urbaine, d'un soupçon complètement déplacé, mais on a toujours tendance à dire que, finalement, ces dérapages dans les manifestations sont les alliés objectif de ceux qui réclament plus d'ordre. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des manipulations? Est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire des policiers infiltrés dans les manifestations se transformer en casseurs? Alors, sans faire un historique complet, mais alors, d'une part, la tradition de la violence manifestante est quelque chose, un phénomène très ancien, puisque si on remonte au 19e siècle, les manifestants jetaient des billes sous la police était à cheval à cette époque. Les manifestants jetaient des billes sous les sabots des chevaux pour faire tomber les chevaux et tabasser les policiers. Donc la violence manifestante, c'est pas quelque chose de nouveau. Je vous prendrai un poème d'Aragon qui s'appelait Front Rouge, qui expliquait qu'il fallait descendre les flics camarades. Donc la violence manifestante a toujours existé. La question des pénétrations, des infiltrations policières, elle a toujours été soulevée en rapport avec cette violence manifestante. Or, la majeure partie des enquêtes qui ont pu être faites, à chaque fois, c'est le même phénomène, c'est-à-dire il se peut qu'il y ait un ou deux policiers qui soient infiltrés, qui sont surtout là pour faire du renseignement, mais pas pour participer à la violence en tant que telle. Il y a un exemple qui est un peu ancien, qui date de 1977, au moment des manifestations des sidérurgistes, où il y a eu les autonomes ont cassé de manière très importante un certain nombre de bâtiments publics. Dans cette manifestation, le PCF avait dit il y a eu une provocation policière. Toutes les enquêtes ont montré qu'il n'y a pas eu de provocation policière et que la violence émerge directement de des mouvements de la gauche radicale et qu'il n'y a pas a priori, alors on peut toujours en trouver un ou deux, mais a priori, non, c'est des militants qui sont hostiles au système. Y a-t-il eu hier une intervention trop tardive de la police? Ça aussi, ça fait partie des polémiques traditionnelles et est relancée. Alors, je ne suis absolument pas spécialiste des forces de l'ordre. A priori, pas l'impression qu'il y ait eu vraiment d'intervention trop tardive. Il faut quand même aussi... Les manifestants les plus violents ont été bloqués sur le pont d'Austerlitz, Bloquer les gens sur un pont, ça permet d'éviter un maximum de dégradation matérielle, puisque sur un pont, à part le parapet à casser, il n'y a plus grand-chose. Donc, à la limite, même, on pourrait penser que la police a stratégiquement réussi à attirer les manifestants à l'endroit où
ça provoquait le moins de danger, en fait. Mais bon, après, je suis vraiment pas spécialiste du renseignement policier, du travail sur cet aspect-là des choses, donc je peux difficilement répondre techniquement parlant. On parle de 1200 Black Blocs hier à Paris. Est-ce que le chiffre vous paraît important? Est-ce que ça fait partie des ordres de grandeur traditionnels? Alors, il y a une augmentation. Très nettement, il y a une augmentation. On voit, il y a eu aussi des profils qui sont un peu différents. Là, il y a, depuis quelques années, il y a une transformation, enfin une augmentation avec des militants qui sont, qui datent de la génération que j'évoquais tout à l'heure, 90-2000. Deuxième période, les plus jeunes qui se sont formés lors, entre guillemets, formés à l'école de la rue, on va dire, qui se sont formés lors des manifestations contre la loi travail. Et là, on semble, et c'est ceux qui semblent avoir été interpellés hier, des plus jeunes qui venaient de participer aux différents blocages des universités et des lycéens. Et là, il y a un indice qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont tous allés se réfugier, enfin un certain nombre d'entre eux sont allés se réfugier dans un square qui pouvait être cerné par la police immédiatement après, ce qui explique le nombre aussi important d'interpellations. Mais alors comment l'expliquez-vous justement par la jeunesse d'un certain nombre d'entre eux qui n'étaient pas formés, enfin qui n'avaient pas l'habitude de ce type d'action publique. Donc on voit qu'il y a une évolution, une augmentation du nombre de manifestants, ce qui s'explique aussi par les réponses gouvernementales, c'est-à-dire que le gouvernement bloquant de manière, enfin refusant tout dialogue ou toute évolution possible du dialogue, génère chez un certain nombre de manifestants une absence de débouchés. Donc à partir de ce moment-là, ils choisissent d'autres formes d'action en disant peut-être qu'on aura une chance d'être plus entendu. Sylvain Boulouk, s'agit-il d'un mouvement structuré, financé, les Black Blocs? Non, c'est un mouvement complètement spontané, entre guillemets. Ils ne sont pas, a priori, le financement, c'est une paire de lunettes, un cahouette et d'une marque de... Donc il n'y a pas besoin d'un financement public. Après, c'est une composante européenne. Donc vous avez des militants qui viennent d'un peu partout en Europe. Donc après, ils peuvent participer, enfin, ils doivent se déplacer par eux-mêmes, et on est surtout dans un phénomène de mouvance qui n'a pas besoin pour aller affronter les forces de l'ordre. Il faut être présent à une manifestation et chercher le conflit. Donc il n'y a pas de financement extérieur. Ça, c'est une forme de vision complotiste des choses qui n'a pas lieu d'être. Comment ces choses-là peuvent-elles évoluer? Est-ce que vous pensez que les arrestations, elles sont assez nombreuses, peuvent mettre un coup d'arrêt au mouvement, ou est-ce qu'il y a de toute façon un appel d'air et un renouvellement permanent de ce genre de manifestants? Alors, il y a un renouvellement permanent de ce mode de militantisme. Est-ce qu'il y aura un... Alors ça, prédire ce qui va se passer, j'ai un peu de difficulté, mais c'est... A priori, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, puisqu'on est dans une phase de progression. Cela étant, on ne sait jamais comment les choses... Le 2 mai, enfin le 2 ou 3 mai il y a 50 ans, on ne savait pas que ça allait être la nuit des barricades quelques jours après. Donc je ne peux absolument pas prédire quelle va être l'évolution de ce mouvement. Enfin, ça signifie quand même que ces militants d'ultra-gauche ont plus le vent en poupe que les militants d'extrême-droite, ou bien c'est difficile de faire un banc d'essai? Ah non, alors là, c'est parce qu'on est dans une société médiatique et qui choisissent des formes d'action médiatique, si on regarde statistiquement, l'extrême-gauche est relativement, enfin, la gauche radicale est relativement marginale, alors que l'extrême-droite est, comme on présente, un quart de l'électorat. Donc on n'est pas dans les mêmes proportions, on n'est pas dans les mêmes... Je parle des militants violents. Des militants violents, oui, alors là... Il y a plus de militants violents à l'extrême-gauche aujourd'hui que à l'extrême-droite. Mais attention, c'est la même chose. Avec les différentes manifestations qu'il y a eu il y a quelques années contre le mariage gay, il y a potentiellement le même phénomène qui pourrait se produire à l'extrême-droite. Et là, on ne sait pas du tout... Enfin, là, je ne suis pas en plus qualifié pour vous parler de ces violences à l'extrême-droite. Merci beaucoup, Sylvain Boulouk.